Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, bonjour, bon matin, bon réveil. Nous espérons que la nuit a été bonne pour chacun de vous et c'est avec beaucoup de chaleur et d'empressement que nous sommes derrière le micro pour que nous capables de passer ce temps dans la prière et dans la recherche de Dieu. À vous tous qui êtes déjà là pour recevoir ce que Dieu veut donner en ce jour nouveau, nous prenons un grand plaisir à vous saluer dans le nom du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons débuter avec notre temps de communion, d'intimité avec Dieu et nous encourageons à partager le lien, oui, partager le lien avec 11 amis, partagez-le avec vos familles pendant que nous prenons chercher papa, présence, papa, bon Dieu. Et nous avons dérapé avec cantique ça le matin. Nous avons chanté la justice ou à midi, nous chantons grand amour. Avant de dormir, nous chantons miséricorde au éternel. Bien pitié pour moi et à tous et à toutes, nous prenons un grand plaisir à dire bon matin et bon réveil. C'est ainsi nous déraper, yes, dans le nom de Christ Jésus. Donc partagez le lien avec vos amis, avec vos familles et à tous et à toutes. Nous disons bon matin et bon réveil au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Yes. Matin. C'est ça. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yes. Le matin. À midi, avant de dormir, et nous prétendons pour nous dire bon matin, bon réveil à nos frères et sœurs qui sont déjà là, à nos super branchés, nous prétendons pour nous capables de saluer eux, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous dit bon matin, bon réveil à sœur Sandra Jean, nous saluons et sœur Martine Desaine. Nous disons bon matin, bon réveil, sœur Dizaine. Bon matin, bon réveil à Daniel Joseph. Bon matin, bon réveil à Elmita Périclès. Nous disons bon matin, bon réveil à Judith Jeune. Oui, bon matin, bon réveil à Vierge Tancaïmite. Nous saluons Marie-Paul Delva. Et nous disons bon matin, bon réveil à Nadine Joseph. Bon matin, bon réveil à Sandra Dujuste. Bon matin, bon réveil à Rudeline Tolès. Bon matin, bon réveil à Dominique Louis Charles. À Ludiane du Sénat, nous saluer sœur Sandra Di, dans le nom de Jésus-Christ, nous saluer sœur Rudeline Tolès. Nous dit bon matin, bon réveil à Léa Saint-Jean, nous saluons dans le nom de Jésus, sœur Léa. Bon matin, bon réveil à Asselin Jean-Pierre, une autre Préville, Marie-Michel Jean-Baptiste. Bon matin, bon réveil à Magali, nous saluer Eudovia Coriolan, sœur Coriolan, toujours là. Bon matin, bon réveil à sœur Adeline Cadet, Rich B, nous saluons. Nous saluons Five Fanfan, nous saluons eh bien, Yolène Altidor. Nous dit bon matin, bon réveil. Oui, bon matin, bon réveil à sœur Tanise. Nous saluons avec beaucoup de chaleur sœur Yolène Voltaire. Nous saluons sœur Voltaire dans le nom de Jésus. Et nous dit bon matin, bon réveil. Bon matin, bon réveil à Ismaël Henry. Nous saluons Huguette Nicolas Aurilas. Bon matin, bon réveil à frère Sonny Thermidor. Oui, nous saluons frère Sonny à toute madame Ni. Nous saluons frère Devillon à toute famille. Nous dit bon matin, bon réveil Joseph. Et nous dit bon matin, bon réveil à Rita Miller. Bon matin, bon réveil à sœur Maryse André. Nous saluons dans le nom de Jésus. Bon matin, bon réveil à sœur Maryse Remaret. Oui, bon matin et bon réveil à Judith Dargenson. Bon matin et bon réveil à sœur et Marianne Michaud. Nous saluons France Liste Lapin. Bon matin, bon réveil à Sabine Vargas. Bon matin et bon réveil à sœur Muriel Dupré. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous dit bon matin, bon réveil à Dickens Dorvilliers. Nous saluons sœur Fédeline Clérisier. Et nous dit bon matin, bon réveil à Nancy Césaire. Bon matin, bon réveil à sœur Sylphane Dorméus. À Elohim Dupiton, à Emilia Joseph. Oui, bon matin, bon réveil. À tout Mounio, à Willy Narcisse, sœur Narcisse, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Bon matin, bon réveil. Eh bien, à Emanise Sénophazidor, à sœur Mama Marcus, nous saluons matin. Hein, sœur Myrland Laurent, sœur Elsie Pierre, et à tout le monde qui est là, qui est prêt pour recevoir sa bon Dieu Vlibaï en ce nouveau matin, nous prenons un grand plaisir à vous saluer dans le nom du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons débuter
immédiatement avec le programme. Nous encourager ou préparer à recevoir ce que Dieu veut donner en ce nouveau matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Eh bien, mes amis, nous dérapons par la prière. Nous bénissons Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, de la grâce qui nous est donnée encore ce matin, de nous retrouver en ta présence. Merci pour les soins jaloux que tu prends de nous et merci parce qu'on rend possible pour que nous capables d'en présence ce matin où tu fais nous dormir. Nous ne connaissons pas qui s'en était exposé pendant les heures de la soie de la nuit. Nous ne connaissons pas quels ont été les plans de l'ennemi pour nous défaire, pour nous éliminer. Mais dans ta grâce, nous sommes réveillés. Dans ta grâce, nous sommes encore sur la terre des vivants et nous voulons prendre et ce temps pour te dire merci. We want to take this time, God, to thank you. Thank you so much for being so good to us. Forgive us our sins. Cleanse us from all unrighteousness. Je prie pour mes frères qui sont déjà là. Je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. Je réclame ta bénédiction sur leur vie. Je prie pour leur affermissement. Seigneur, tu dis à Pierre, Simon, Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Oui, je prie pour l'affermissement de mes frères, l'affermissement de mes sœurs. Je prie pour leur encouragement dans le Seigneur. Gien qui gien l'oise, laissez emporter par une vague de découragement. Et à moins que tu interviennes, à moins que tu dis un mot, ils ne seront pas capables, Seigneur, de tenir ferme, de se tenir debout. Moi, réclamer qu'on est capable d'assister, moi, réclamer qu'on est capable de visiter, moi, prier qu'on est capable de camper ensemble avec le Seigneur et permettre que moment ça, pour eux-mêmes, un moment de grâce et de riche bénédiction. Nous comptons sur toi, nous misons sur ta grâce, nous remettons entre tes mains le service de ce matin. Sois avec chacun de nous alors que nous avons essayé de chercher dans la prière. Fais-nous du bien car tu es notre tout, tu es notre Dieu. C'est la prière adressée devant avec pardon, péché, nous dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne des batailles. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne des batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Couvert de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave la tête. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage.
ouvrage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. À l'éternel rivage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. À l'éternel rivage. C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait possible, tant sa promesse enflammait leur ardeur, brûlant nos âmes, flamme sacrée. Et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'il fuyait l'esclavage, qu'il passait la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux, brûlant nos âmes, flamme sacrée. Et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas de patrie, mais saluant le triomphe lointain, brûlant nos âmes, flamme sacrée. Et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Foi des héros qui combat sous ce signe, suis leur saint exemple et partage leur sort. Et dans le monde ne fut
jamais digne. Les témoins qui nous parlent encore brûlent nos âmes, flammes sacrées, et nous suivons les témoins d'autrefois. Environnés de la grande nuit, les regards sur Jésus, chef de la foi, brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivons les témoins d'autrefois. Environnés de la grande nuée, regard sur Jésus, chef de la foi, brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi, nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi, brûle en nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi, libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armée de lumière, couronnée de gloire, marchons sur la terre,
messager de joie. Oh, alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, oh, viens, Jésus, règne en moi. Oh, alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens, Jésus, règne en moi. Proclamant sa grâce aux cieux de la nuit, recherchons sa face au creux de sa vie, célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Oh, oh, alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens, Jésus, règne en moi. Oh, alléluia, que ton règne vienne, oh, Maranatha, viens, Jésus, règne en moi. Oh, alléluia, que ton règne vienne, oh, Maranatha, viens, Jésus, règne en moi. Oh, oh, alléluia, que ton règne vienne, oh, Maranatha, viens, Jésus, règne en moi. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera
Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Aussi, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il évoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. M'adorer, m'adorer, m'adorer. M'adorer, m'adorer, m'adorer. M'adorer, 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 non Seigneur. M'adorer, 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 non Seigneur. Moins levé, moins levé, moins levé. Moins levé, moins levé, moins levé. Moins levé, moins levé, moins levé. Moins levé. Non, Seigneur. Moins béni, moins béni, moins béni. Moins béni, moins béni, moins béni. Moins béni, moins béni, moins béni, moins béni, non Seigneur. Seigneur, nous adorons au matin. Hein? Nous levons au bien haut, nous disons merci pour grâce dans la vie. Nous. Si vous pas là, ça ne t'a fait. Les toutes bagailles paraît noires pour nous, ou toujours là pour consoler nous. Et pour toute bénédiction qu'on a gagné dans la vie, nous, pour toute faveur, pour toute grâce, pour toute assistance, pour toute présence, pour tout cet esprit, nous venons en présence au Seigneur pour nous dire merci. Où sont bon Dieu qui sans pareil, où sont bon Dieu éternel, où c'est bon Dieu leur parler l'éternité envahie et leur dire oui, pièce pour nous pas capable de dire non. Et pour toute bénédiction, où ben nous, Seigneur, nous pas gagné bouche pour nous parler, où sont Dieu merveilleux. Et Seigneur, nous venons en présence au matin ça pour nous dire merci. Grâce ou merci pour faveur. Merci parce que dans un moment qui était difficile, dans un moment noir, dans un moment jour soleil pas levé, dans un moment côté nous t'ai senti que trop dépression t'en vie valait nous. Mon pas jamais abandonné nous, non Seigneur, ou t'es toujours là, ou t'es campé avec nous. Et bien matin nous venons dans présence pour nous capable de dire merci. Pour nous dire au Seigneur nous remercions, pour nous dire au Seigneur ou grand dans la vie nous, ou fait dans nos vies des choses extraordinaires. Et nous reconnaître que si nous sommes en vie, c'est l'effet de ta grâce, c'est l'effet de ton amour. Matin, nous venons en présence du Seigneur avec toute sa nuée d'imperfection, avec toute sa nuée de péché, avec toute sa nuée d'iniquité. Nous venons en présence du Seigneur parce que c'est toi qui nous as attirés. Oui, en présence où nous joignons la vie, en présence où nous joignons la paix, en présence où nous sentons bénis, en présence où nous sentons accompagnés, en présence où nous sentons que nous réalisons ce pourquoi nous avons été créés. Eh bien, pendant que nous venons en présence du Seigneur, nous demandons que nous sommes capables de joindre cette énergie vitale, cette force qui nous permettra de faire face aux épreuves et aux devoirs de la journée. On va bénir chaque monde, Seigneur, qui a cherché,
ou qu'on sa qui besoin yo, ou qu'on sa qui pousse au chercher ou gen qui malade, gen qui a subi l'oppression satanique, gen pas qu'on sa pour yo faire, gen pour qui tu es le dernier espoir, le dernier secours. Maman de on a maté ça, Seigneur, paraît ton souple en bas live là, avec main, avec force, avec puissance, ou, parce que ou c'est bon Dieu, alléluia, ou c'est bon Dieu. Oui, vini non, Seigneur, s'il te plaît. Tant de cris, tant de relis, tant de angoisse, tant de détresse, tant de rêles. Yon peuple qui a besoin de Dieu. Yon peuple qui a besoin de ton soutien. Gen commence à décourager, Seigneur. Gen qui a envie d'abandonner. Gen pas qui senti force dans yon encore. Même prier pour leur force. Ou dit dans parole, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. N'a pas donné un moment, ça, Seigneur, intervient. Interviens, on supplie. Paraît dans ta gloire. Paraît dans ta puissance. Paraît dans ta splendeur. Paraît, ô notre Dieu. Et dis le mot que toi seul es capable de dire. Fais le miracle que toi seul es capable d'opérer. Dis un mot au notre Dieu et nous serons sauvés. Papa qui est dans le ciel là, je prie pour les jeunes de ton peuple, ceux-là qui ne savent pas encore qui est Yoyé, qui a essayé de découvrir. Moi, m'a dit papa, mon Dieu, qu'on est capable d'aider à développer leur identité en toi. Je prie pour leur soutien. En pile dans yo avagin puis qu'on ait de grandes épreuves dans la vie. En pile dans yo avagin puis qu'on ait le mépris, la trahison et le rejet. Mais demandez, Seigneur, qu'on est capable d'avoir la force de l'âme, la force du caractère, la force de l'Esprit Saint, pour être capable d'accord pour souffrir pour la cause de Dieu, d'accord pour souffrir pour la parole de Dieu. Ou dit, non, parlons, que nos moments de légère affliction produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Oui, aidez-nous, ton toujours changer parole, Sayo, que nos moments de légère affliction va produire pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et va regarder, non à ce qui est passager, mais à ce qui est éternel, non à ce qui est éphémère, mais à ce qui est durable. Prends le devant de cette journée. Bénis-nous, Seigneur, bien béni. Lage grâce sous nous, lage faveur sous nous. Fais pour nous, oh Dieu, bagaille que même seul gain capacité pour faire. Moi prier pour moun ki gen rendez-vous matin, hein. Moi prier pour ça qui pral prendre examen, moi prier pour ça qui attend yon réponse, moi prier pour ça au Dieu qui pral rentrer dans salle opération. Éternel notre Père et notre Dieu, il y a tout un peuple qui t'attend, il y a toute une nation qui t'attend. En fait, le monde t'attend, ô notre Père, car tu es le désir des âges, tu es l'espoir des nations de la terre. Oui, espoir des extrémités lointaines de la terre et de la mer. T'en prie, vini par l'Esprit Saint. Vini développer en nous le caractère chrétien. Fais-nous la grâce d'aimer comme Jésus a aimé. Fais-nous la grâce de suivre ses traces, de marcher sur ses pas. Et ainsi, notre Père et notre Dieu, n'a pas ça où il est nous pour nous y a vraiment des petits Christ, des disciples de Jésus, monde qui a annoncé la puissance, la gloire, le pardon et l'amour de Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi, nous misons sur ta grâce qui ne défaille jamais. Passez en bas live là, passez Seigneur, avec mes puissants tours, touchez, by exéat, signez papier. Oui Seigneur, by résidence, by citizenship, by tout ça qui est nécessaire, nous pas capables pas prier pour le cœur de la nation, l'âme de la nation qui est en deuil de façon qu'on a assassiné le président Jovenel Moïse. Seigneur, nous senti que nous avons arraché, nous senti nous bouillir en dans nous et nous demander au Seigneur dans grâce où va passer, où va soulager, où va dire un mot pour ce pays qui a besoin de toi, ce pays dans lequel la violence a régné pendant si longtemps. Que ton règne vienne dans ce pays, que ton règne vienne dans ce pays, que ton règne vienne dans ce
pays, transforme le cœur des Haïtiens, change la mentalité de nos frères et de nos sœurs et permet que ce pays connaisse des lendemains meilleurs. Seigneur, nous comptons sur toi, nous misons sur ta grâce qui ne défaille jamais. Reste avec nous, bénis-nous, transforme-nous, garde-nous fidèles à toi. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables toujours rester connectés dans la prière, parce que c'est là que nous sommes en sécurité, c'est là que nous sommes protégés, et c'est là que nous sommes gardés. Tu feras au-delà de nos attentes, au-delà même de nos espérances. C'est la prière adressée devant, avec le pardon de nos péchés, dans le nom de Christ Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, le Seigneur du ciel et de la terre. Mes amis, nous continuons à prier, nous continuons à être dans la présence de mon Dieu. Alléluia. Nous continuons à être dans la présence de mon Dieu. Pas oublier. Mot d'ordre là nous dit, mot d'ordre là, mes amis, c'est et prier sans cesse. Prier sans cesse. Et pendant toute semaine, nous avons pu lire dans vers Jésus. Pendant toute semaine, ne l'oubliez pas. Nous avons pu lire dans vers Jésus. Et nous sommes au chapitre 11 qui parlait du privilège de la prière. Pendant toute semaine, nous sommes dans vers Jésus au chapitre 11 qui parlait du privilège de la prière. Donc c'est là nous y pendant toute la semaine et nous encourager ou même qui a lu la parole, ou même qui croit dans mon Dieu, nous encourager pour capable d'être là dans la présence de Dieu, donc pour nous capables et bien continuer à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. En nous aller. Les continuer, mais qui ça dit dans vers Jésus, qu'on a continué. Ellen White est écrit et elle dit: durant sa vie terrestre, Jésus enseigna à ses disciples de quelle manière ils devaient prier. Il leur apprit qu'ils devaient exposer à Dieu leurs besoins journaliers et se décharger sur lui de tous leurs soucis. L'assurance qu'il leur donna de l'exaucement de leurs prières, il nous la donne aussi. Pendant son séjour parmi les hommes, Jésus lui-même était souvent en prière. Pendant son séjour parmi les hommes, Jésus lui-même était souvent en prière. Notre Sauveur a connu nos besoins et nos faiblesses. Il nous apparaît comme un suppliant demandant constamment à son Père une provision nouvelle de force pour faire face aux devoirs et aux épreuves. Jésus, pendant toute sa vie sur la terre, il avait mené une vie de prière. Jésus était un homme de prière. Et la Bible déclare que bonheur le matin, avant le soleil l'a levé. Jésus partit la prière. Vous entendez, ça m'a pas de ça dans tête moi bon tout écrit pour pendant matin avant soleil la levé, avant soleil la levé, Jésus partit l'aller la prière. Et avant soleil la levé, bonheur avant soleil la levé, Jésus qu'on partit la prier. Donc Jésus faisait de la prière, et bien yon habitude. Jésus faisait de la prière yon pratique. Jésus t'aimait prier en pile et Jésus priait souvent. Bam l'il pour vous, c'est dans Marc, pas j'oublie verset ça, Marc chapitre 1 verset 35. Marc chapitre 1 verset 35, pendant dans le domaine ça, parce que ça m'a souhaité bon Dieu aider me faire, m'a souhaité bon Dieu permettre ou développer le goût et l'appétit de la prière. Même quand il y a quelqu'un qui t'aide à prier ou il y a personne qui est là, mais ou même ou développer cette discipline où tu pries Dieu quotidiennement, où tu passes du temps en sa présence. Non, Marc, pas j'oublie verset ça, Marc chapitre 1 verset 35. Tenez bien ça dit dans Marc chapitre 1 verset 35. Il dit comme ça: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva
et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Bon, lis encore. Vers le matin, pendant vers le matin, la prière du matin a une importance extraordinaire. On songe, tout ça, me parler déjà sous ça, m'enseigner sous ça. Donc, espérer que Kounia ou apprendre cette leçon. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, c'est-à-dire très très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et là, il priait. Donc, pendant son séjour parmi les hommes, Jésus lui-même était toujours venu à prier. Il priait pour être capable de recevoir de bon Dieu une nouvelle provision de force, une nouvelle provision d'énergie, une nouvelle capacité. Bon Dieu, Jésus a prié pour être capable de joindre, et anglais a dit, a fresh supplies of strength, a fresh supply of supplies of, French, of strength. Moi, mais je dit en anglais, on provision nouvelle de force, c'est dans la prière. Et puis tout, il continue, il dit, il est notre modèle, Jésus, c'est-à-dire Jésus, il est notre modèle en toutes choses, un frère dans nos infirmités, car il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais il était l'être sans péché et sa nature se révoltait contre le mal. Il a passé par toutes les luttes. Attendez, oui. C'est-à-dire Jésus, il a passé par toutes les luttes, il a passé par toutes les luttes et toutes les angoisses de l'âme auxquelles sont exposés les humains dans un monde de péché. Pas d'un type de lutte, pas d'une qualité angoisse que Jésus n'a pas connue. Il les a toutes expérimentées. Son humanité lui faisait de la prière une nécessité et un privilège. Il trouvait sa joie et consolation à communier avec son Père. Et puis tout le monde aimait ça. Si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, éprouvait le besoin de la prière, si Jésus avait besoin de prier, si Jésus, le Fils de Dieu, avait ressenti et avait compris l'importance de la prière, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas, faibles pécheurs et mortels, sentir la nécessité de prier sans cesse et avec ferveur. Mes amis, prier sans cesse et avec ferveur. Jésus, oui, Jésus. T'es senti nécessité pour te prier sans cesse dans la présence de bon Dieu, pour te rester sans cesse. Si Jésus t'a senti nécessité ça, si Jésus t'a senti besoin ça, si Jésus t'a ouais que t'es tellement en combat, que t'es tellement en lutte, il t'a besoin de passer ce temps dans la présence de Dieu, à combien plus forte raison, frères et sœurs, moi-même, ensemble avec vous, moi-même, ensemble avec vous, nos besoins rester dans la présence de bon Dieu. Jésus avait passé du temps dans la présence de Dieu. Jésus avait besoin de Dieu. Jésus avait besoin de sa présence. Jésus avait besoin de son soutien. Et conséquemment, il a passé du temps dans la prière. Il y a un auteur qui dit, personne n'est en sécurité, ni un jour, ni une heure sans la prière. Personne n'est en sécurité, ni un jour, ni une heure sans la prière. Notre Père Céleste désire répandre sur nous la plénitude de sa grâce. Bon Dieu, voulez bénir nous. Bon Dieu, voulez faire nous grâce. Il ne tient qu'à nous de boire à l'entrée à la source de l'amour infini. N'est-il pas étrange que nous prions si peu? Dieu est tout disposé à exaucer les prières du plus humble de ses enfants. Et pourtant, ce n'est qu'à contre-cœur, semble-t-il, que nous lui faisons connaître nos besoins. Que peuvent penser des humains, être chétifs et misérables, sujets à la tentation, les anges du ciel, quand ils les voient prier si rarement et avec si peu de foi, alors que le Dieu d'amour veille sur eux avec la plus tendre sollicitude, prêt à leur donner plus qu'ils ne peuvent demander ou même penser. Bon, bagaille ça, lui-même, ils sont gros bagaille. Est-ce qu'on connaît, bon, tout ça, et puis tu me prends le bon verset qui appuie. Est-ce qu'on connaît que bon Dieu, bon, tout chercher verset, et to him who can do above all that we. Est-ce qu'on connaît, alléluia, verset biblique là, c'est Éphésiens chapitre 3, verset 20. Pas j'en oublie, verset ça. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Est-ce qu'on connaît
que bon Dieu capable de faire plus parce que ce qu'a demandé, penser ou imaginer, bon Lilbo. Éphésiens, rapidement, Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Attendez comment Paul parlait. Il dit comme ça, Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire infiniment. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons, nous demandons ou pensons. Hier m'a essayé pendant hier soir avant mal dormi. Tu m'as pensé avec c'est ça infiniment qui sacre l'infiniment au-delà de tout ça m'a pensé puis tu m'as commencé à penser quelques bagailles m'a pensé commencer à penser grand commencé à penser le rêve terrible rêve extraordinaire rêve grandiose et puis tout Bible a dit quel que soit ça me penser quel que soit ça me mettre dans tête moi quel que soit ça m'imaginer le Dieu de la Bible peut faire infiniment au-delà de cela mes amis. Donc ça me l'est dit, bon Dieu qu'a fait infiniment au-delà de la protection que tu recherches. Bon Dieu qu'a fait infiniment au-delà de la grâce que tu recherches. Bon Dieu qu'a fait infiniment au-delà du pardon que tu recherches. Au-delà de la bénédiction que tu poursuis. Bon Dieu capable de faire infiniment au-delà. Mes amis, les anges aiment à se prosterner devant Dieu. Et à être en sa présence. Ils considèrent la communion avec lui comme leur plus grande joie, tandis que les habitants de la terre, qui ont un si périssant besoin de l'assistance que Dieu peut leur accorder, semblent se plaire à marcher sans la lumière de son esprit et privés des douceurs de sa présence. Oui, bien-aimés, demain, si Dieu veut, continuer. Demain, si Dieu veut, si l'Éternel quitte la vie dans nous, n'a continué. Mais je me sens que nous avons assez. Nous avons assez de bagages. Nous avons assez de paroles pour nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Pensez bien. Seulement commencez à penser à Salabdoula. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes et penses. Pensez à ça seulement. Que bon Dieu est capable de faire infiniment. Et plutôt, pensez au bagage qui est grand. Pensez au bagage qui est extraordinaire. Pensez au bagage qui est terrible. Pensez au bagage qui, selon toi, est irréalisable. Et plutôt, dans l'esprit, ouais, bon Dieu qui fait 10 fois ça au pensée qui n'est pas de café là. Ouais, bon Dieu qui fait 100 fois ça au pensée qui n'est pas de café là. Et ouais, bon Dieu fait 1000 fois. Alléluia, 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 alléluia. À celui qui est capable de faire au-delà de tout ça que nous pensons, infiniment, au-delà de tout ça que nous pensons. Imaginez. Vous avez ça, M'dou là? Bon, dis-le encore. Pensez, bon Dieu, imaginez dans l'esprit, bagaille qui est plus raide, bagaille ou pensée qui est plus difficile que mon Dieu n'a pas à faire. Imaginez le coup dans l'esprit. Est-ce que son caille? C'est que bon Dieu pas kabo kala parce que pas qualifié. Est-ce que son mari ou conjoint ou pensez bon Dieu pas kabo conjoint parce que l'heure a passé sous. Est-ce que son timoun ou pensez bon Dieu pas kabo timoun non parce que tu as essayé pendant plusieurs fois et rien n'a marché. Ou rien ne marche encore. Est-ce que c'est une éducation ou pensez ou ap grand monde leur rentrer sous pas de façon qu'on prenne l'école encore. Est-ce que son résidence, est-ce que c'est un citizenship ou pensez que ça pas possible. Et puis tout Paul dit bon Dieu capable de faire, alléluia, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pas seulement ça demander, mais ça nous penser. Ok. Bon, et pour me prier. Je vais prier. Vous méritez toute gloire.
avec honneur. Moi levé même pour m'adorer et pour me glorifier, non, ou mériter toute gloire avec honneur. Moi levé même pour m'adorer et pour me glorifier, non, parce que ou grand. Ou toujours fait gros miracle, pas gagnant le Dieu qu'on ou. Pas gagnant le Dieu qu'on ou, parce que ou grand, ou toujours fait gros miracle, pas gagnant le Dieu qu'on ou. Pas gagnant le Dieu qu'on ou mérite toute gloire avec l'honneur. Moi levé même pour m'adorer et pour me glorifier, non, ou mérite toute gloire avec l'honneur. Moi levé même pour m'adorer et pour me glorifier, non, ou parce que ou grand, ou toujours fait gros miracle, pas gagnant le Dieu qu'on ou. Pas gagnant le Dieu qu'on ou, parce que ou grand, ou toujours fait gros miracle, pas gagnant le Dieu qu'on ou. Pas gagnant le Dieu qu'on ou. Allah ou grand, Seigneur Allah ou grand, ou lever ça qui tombait, ou bail aux libertés. Allah ou grand, Seigneur Allah ou grand, ou bail la vie ou pour tout temps. Seigneur Allah ou grand. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons compter dans un moment ça dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous rendons compte que nous avons un besoin urgent, un besoin pressant. Devant problème, yo, devant difficulté, yo, devant lutte, yo, devant angoisse, yo, nous rendons compte que nous ne sommes pas capables de faire route là sans nous-mêmes. Nous rendons compte que nous ne sommes pas capables de marcher sans nous. Et c'est ça qui fait dans un moment ça, nous venons côté au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ parce que nos besoins assistance ou, nos besoins présence ou, nos besoins aide ou, nos besoins soutien ou, nos besoins pour paraître pour nos Seigneurs parce que c'est vous-même seul qui est capable de paraître, c'est vous-même seul qui est capable d'agir, c'est vous-même seul qui est capable de camper, c'est vous-même seul qui est capable de délivrer nous. Nous demandons dans un moment ça pour capable de remplir nous avec puissance ou, baptiser nous avec Saint-Esprit ou, et merci pour parole ça ouvrée pour nos Seigneurs, parole ça ouvrée pour nos matins, parole ça qui fait nous comprendre que la vie nous c'est dans main lié. Parole ça qui fait nous comprendre que destinée nous c'est dans main lié. Parole ça c'est ce Père qui fait qui dit nous que ou capable faire au-delà de tout ça nous penser et au-delà de tout ça nous mander. Seigneur, des fois nous lis parole yo, mais parole yo tellement fort, parole yo tellement puissante, parole yo tellement gagnant, nous pas nous manquer quoi dans parole yo Seigneur. Bagaille ça c'est pour bagaille l'esprit qu'à comprendre pour bon Dieu capable faire au-delà de tout ça nous mander, au-delà de tout ça nous penser. N'a demandé des fois est-ce que c'est parce que nous pas connaît la parole assez qui fait nous croire que ça demande là les trop grand, ça pas rien pour bon Dieu pas faire. Côte ça bon Dieu pas qu'à faire là. Bon Dieu fait bagaille qui plus grand déjà. Bon Dieu fait bagaille qui plus élevé déjà. Bon Dieu fait bagaille qui plus extraordinaire déjà. Côte ça bon Dieu pas qu'à faire là. Et nous venons dans
présence au Seigneur dans le nom de Jésus pour nous dire nous croyons qu'au Kafel, nous croyons qu'au Kafel Seigneur, nous croyons qu'au Kafel, pas rien qu'au pas Kafel, ou gain capacité pour faire, ou faire en haut et ou faire en bas et sous capable créer le monde par le souffle de ta bouche. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Seigneur, nous mandons pour capable bâtir notre foi et de nous connaître que pas rien que le ciel pas qu'à faire, amen. Pas rien que bon Dieu n'a servi à pas qu'à faire. Seigneur, moi-même, pas qu'à comprendre bagaille ça dans le brain, moi, non. À celui qui peut faire, à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire les mander, on bagaille, ou qu'il doit faire, ou qu'il doit faire. C'est pas seulement 7 fois, c'est pas seulement 10 fois, c'est pas seulement 100 fois. Mon fait infiniment, infiniment. Moi, c'est moi-même, bah, l'évangile, ça sortit pour tuer, ou fait infiniment, au-delà de ça m'a imaginé, au-delà de ça m'a pensé, au-delà de ça m'a mandé. Ça veut dire limite là, c'est pas non ou lié. Limite là, c'est non moins. Limite là, c'est non ça mandé. Limite là, c'est non ça m'pensé. Et mes Seigneurs, viens demander au matin, hein, retirer limite là dans l'esprit nous, retirer limite là dans brain nous, retirer limite là dans cerveau nous, pour nous connaître que le Dieu de la Bible est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout, selon qu'il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Matin, Seigneur, fais-nous la grâce de croire. Fais-nous la grâce de croire que le miracle est possible. Fais-nous la grâce de croire que le rêve est réalisable. Fais-nous la grâce de croire que ce que nous te demandons, nous capables et n'abjoignons dans le nom de Jésus et selon les richesses de ta grâce. Seigneur, bon Dieu, nous pas la prier, toute prière ça pour grand Messie. L'âme lion passa et qu'on ça, m'a demandé, Seigneur, bonne-nous la foi pour nous croire que ça possible. Bonne-nous la foi pour nous croire que cela est réalisable. Bonne-nous la foi pour nous croire qu'au Kafel. Bonne-nous la foi pour nous croire que le Kamaché. Bonne-nous la foi pour nous croire que l'en demandé n'a joint, que l'en cherché n'a trouvé, que l'en frappé porte la ouverte pour nous. Bonne-nous la foi, Seigneur, matin, pour nous croire à cette parole, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous demandons et pensons, ou qu'a fait dans le spirituel, alléluia, ou qu'a fait, mes amis, ou qu'a fait dans nos finances, ou qu'a fait, oh Dieu, dans notre vie, le foyer, ou qu'a fait le Seigneur dans notre vie, eh bien, académique, ou qu'a fait pour nous, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pensons, au-delà de tout ce que nous demandons, au-delà de tout ce que nous espérons, eh bien, nous venons en présence au matin, hein, dans le nom de Jésus de Nazareth, pour nous rechercher ta paix, pour nous rechercher ta grâce, pour nous rechercher ta bénédiction, pour nous rechercher ta puissance, pour nous, Seigneur, fais-le pour nous souplir, fais-le pour nous, fais grâce ça pour nous souplir. Cette guérison que on petit toi chercher, fais au-delà. Cette bénédiction que petit toi chercher, balil au-delà. Wout ça que petit toi chercher, frayel au-delà. Au-delà de tout ce que nous pensons, au-delà de tout ce que nous demandons, au-delà de tout ce que nous imaginons, au-delà de tout ce que nous espérons. Espérons, Seigneur, ou capable bail yon garçon au-delà de leur attente, ou capable bail yon épouse au-delà de leur attente, ou qu'il doit bail yon emploi au-delà de leur attente, ou qu'il doit bail yon promotion au-delà de leur attente, ou capable bail yon don spirituel au-delà de nos attentes, ou capable bail yon ministère au-delà de nos attentes. Seigneur, aidez-nous retirer limite yo, limite que nous imposer tête nous yo, limite que nous mettez sous nous yo. Aidez-nous retirer yo, et puis pour nous commencer à croire dans la dimension de l'au-delà, amen, dans la dimension de l'au-delà, au-delà de tout ce que nous demandons, au-delà de tout ce que nous pensons, au-delà de tout ce que nous recherchons, au-delà de toutes nos aspirations, au-delà de tous nos rêves, au-delà de tout, aïe, 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 de tous nos soupirs, au-delà de tous nos désirs. Tu es capable de nous satisfaire et 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 de nous satisfaire, bon Dieu fidèlement, hein? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac,
Dieu de Jacob, moi invoqué au nan moment ça, moi relé au nan moment ça, moi supplié au nan moment ça, moi interpellé au nan moment ça et mandé au dans le nom de Jésus, activer cette promesse dans nos vies par l'action de l'Esprit Saint, permet au notre Père et notre Dieu que nous capables vivre cette grâce, que nous capables vivre cette parole dans nos vies. L'Éternel, retirez barrière et permet que nous aller dans cette dimension côté nous croyons que le possible. Et ces choses nous sont données dans la prière, ces choses nous sont données dans la communion, ces choses nous sont données lorsque nous allons à genoux et puis nous invoquons mon Dieu et puis nous relayons l'Éternel et puis nous parlons avec elle et puis nous disons Seigneur, donne-nous cette dimension de l'au-delà, cette dimension d'au-delà, cette dimension beyond. Bannons le Seigneur, rentrez avec nous dans la dimension ça. Pour tout le monde capable de rendre compte, l'on travers dans notre dimension ça, il y a rendre compte que ça c'est pour un bagage naturel, ça c'est pour un bagage normal, ça c'est pour un bagage ordinaire. Nous sommes dans l'extraordinaire divin, nous sommes dans le surnaturel divin, nous sommes au-delà du naturel d'humain. Et ainsi notre Père et notre Dieu, nom à va glorifier et bouche à va confesser, en vérité c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous remettons entre tes mains notre avenir et nous remettons entre tes mains notre devenir et nous prier dans moment ça, alléluia, pour nos frères qui sont en danger, nos frères qui sont en difficulté, nos frères qui sont tourmentés par les démons. Nous la guillons dans mon Seigneur, nous prier matin hein, pour faire dit Claude et Claude famille, nous lever devant le Dieu Tout-Puissant et Liker Belias, nous prier pour ce rude des classes et famille, nous prier pour la famille Bigot, nous prier pour la guérison de Wesleyne Zolf Founoun et famille Gladys Simplis, Wessner Simplis. Nous prier matin pour Claudie et Michael Moffat. Nous lever devant le Dieu Tout-Puissant, Kayla, Nathania et Tyler Moffat. Nous prier, alléluia, pour Bill et Sally Radford, Laura Lazar, Melody Werner, Augusto, Rosister Kyle et Kayana Bernadette. Nous prier matin pour John Lazar, pour Baudelaire et Lord Paul. Nous prier matin pour la délivrance de Huberta Joseph, de Jolissa et Maya Rouillet. Nous prier matin, alléluia, pour Marie-Joseph, Augusto Calix. Nous prier matin pour Roselyne Théodore, Wolin, Semeline, Lynn Vasti et Christy Delva. Nous prier matin, alléluia, pour Julie, Stalka, Issa Pierre. Guérison pour Edley, Louis, Dominique. Nous prier matin, alléluia, pour Marie Arbos Tercy. Nous prier, alléluia, pour Renaud Sauveur. Nous lever devant le Dieu Tout-Puissant, famille Emily Fogg, nous prier pour Michel, capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous désirons. Tu es le Dieu qui fait toujours au-delà. Tu fais toujours au-delà. Moi mandé pour baron grâce au-delà. Moi mandé pour baron guérison au-delà. Moi mandé pour baron consolation au-delà. Moi mandé pour baron faveur au-delà. Moi mandé pour baron provision au-delà. Au-delà, Seigneur, c'est ça nous cherchons matin. Hein. Au-delà, c'est ça nous désirons matin. Hein. Alléluia. Papa, qui est dans le ciel là, nous mandé pour capable visiter famille mort-née, madame ni perdue, maman li. Nous mandé que consolation, mon Dieu, capable ensemble avec you, que faveur, mon Dieu, capable sous you. Nous pape chom suspend prier pour sœur Matachlin, mort-née. Merci Seigneur pour ça commencer fait dans la ville et merci pour ça continuer fait parce que c'est bon Dieu qui fait toujours au-delà. Journée en amen, ou à protéger nous, ou à bénir nous, ou à garder nous, ou à camper avec nous, ou à délivrer. Livrez-nous, ou à soutenez-nous, ou à faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. L'Éternel nous amène. Nous amène. Frère, ma soeur, nous qui sommes en bas live là dans mon Seigneur, assistez au souple. Emmanuel Pierre Charles, assistez au Seigneur. Campez à Penson Thibault, Predson Thibault. Campez au notre Dieu, à Adeline Cadet. Fais grâce à Marjorie Jean-Philippe. Fais grâce à Emmanuel Sénophazidor. Et bénis-nous, bien béni, bien béni. Songez, Woodlin Narcisse, et bénis-le, bien béni. Ces prières adressées devant vous, avec le pardon de nos péchés, dans le nom de Christ Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles.
Amen, amen et amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin du service. Nous bénis le nom du Seigneur, oui, pour cette parole. Cette parole qui pas seulement inspire, mais qui baille force, qui aide nous pour nous croire que bon Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Des fois, nous prions, mais nous ne sommes pas assez déterminés. Nous prions, mais la foi est faible. Et là, il y a une parole comme ça, qu'il faut qu'on ait que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous pensons ou demandons sa bonne force. Que bon Dieu capable de faire pour le matin et que bon Dieu fasse grâce pour passer une bonne journée sous son regard bienveillant. Pas oublier, abonner, partager et aimer. Mot d'ordre là, c'est prier sans cesse. Mot d'ordre là, c'est prier sans cesse. Si Jésus t'a ressenti besoin pour lui prier, à combien plus forte raison? Moi-même, ensemble avec vous, nous avons besoin de prier sans cesse. Restons dans sa présence, car là nous sommes en sécurité et là nous sommes bénis. Mes amis, nous sommes contents pour nous dire ensemble avec vous matin. Hein? Nous disons tout le monde qui était là, merci, pas oublier le rendez-vous. Est fixé pour demain matin, si Dieu veut, dans même l'heure, 6h pour 7h, 1h dans la présence de Dieu pour débuter journée. Hein? Et nous avons garanti que nous n'avons pas besoin de même gens. En attendant que nous rencontrions demain matin sous le regard de Dieu pour nous continuer ce voyage de communion, d'intimité, de recherche de Dieu, nous l'aguions dans deux plans, mais papa, bon Dieu, et nous disons, bon Dieu, nous aimons tout. Bye bye.